Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 341, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent. Alors, l'épisode précédent, nous avons du coup commencé notre nouvelle session dans le mode défi. Voilà, on avait commencé notre nouvelle session vu qu'on était les épisodes comme d'habitude qui se terminent par 40, hein, comme on fait à son habitude. Et on avait du coup continué le mode cocotte. Alors avant, on doit scanner nos amiibo comme on fait à son habitude. Hein. Ce n'est plus une nouveauté. Donc déjà, voilà, une. Vous avez reçu un code amiibo, un rubis. Merde, ok. Allez, le deuxième. Parfait. Hop, hop. Bah, obtenu baguette de feu, une baguette magique crée du feu, utilisez la là pour inonder des flammes, une large donne et touche un grand nombre d'ennemis. Ok, troisième. Tirage pas fou hein, pour le moment. Vous avez reçu un cadeau amiibo, 5000 rubis. Bon, ça j'ai rien dit donc. Un se fait. Et du coup, obtenu gantelet d'argent, un boulet et des gants de puissance pour lever toutes sortes d'objets avec l'attaque spéciale et lancez-les sur vos ennemis. Je crois qu'il manquera après un dernier, mais j'en suis pas sûr. Hein. Vous avez reçu un cadeau amiibo, un écaille de Ruto. C'est bien. D'un amiibo de ce... Ok. Alors, attendez. On va tenter. D'un amiibo de ce personnage aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai tout, hein, normalement. Ça veut dire que j'ai tout. Elle, je suis sûr de ne pas l'avoir scanné. Ouais, c'est ça. Alors, du coup... Du coup, oui, souvenez-vous, dans la précédente épisode, les amis, on avait continué notre mode défi, on était dans le mode cocotte, et on avait terminé, et on avait obtenu le rang A du premier coup d'éliminer 9999 ennemis. Il nous reste plus grand-chose, parce que vous avez vu qu'on a eu 5 rangs A sur les 10 qu'il y a ici, donc il nous manque tout simplement 4 épisodes. En comptant celui-ci, dans le mode cocotte. J'espère honnêtement y arriver. On va tenter la bataille de géants. On va en tout cas la retenter, la bataille de géants de niveau 2 pour le rang A. Alors au cas où, voilà, dites-vous que normalement si c'est que les dégâts subis, on peut voir qu'on peut aller au moins jusqu'à 200 en dégâts subis pour être tranquille. En fait, au cas où, d'après ce que j'ai compris, et surtout que j'ai obtenu un petit commentaire, et en fait, il faut tout simplement le faire le plus tendrement possible. En gros, en fait, il faut y aller par étapes, et en gros, oui, c'est vraiment la meilleure stratégie. Donc, en fait, si vous savez de gens, ça fait, si ça vous, enfin, vous vous rappelez, ça fait longtemps, hein, une bataille dans laquelle il faut éliminer les chefs de la horde. Donc, en fait, il faut éliminer tous les chefs de la horde, donc il y a un chef de la horde pour le roi d'Onongo, hein, des boss de base, c'est vraiment un truc pour les boss géants. Un chef de la horde de Goma, un chef de la horde de Mandala, un chef de la horde de Pyrodactylus, et vous avez vu qu'en plus des chefs de la horde, il y a quand même d'autres boss géants, donc des rois d'Onongo, des Goma, Mandala, Pyrodactylus, et d'autres, et des Moblins et des maîtres Stalfos, et d'autres ennemis qui apparaîtront au fil du temps. Donc on va tenter, et on verra du coup ce que cela nous donne. Alors voilà, on verra si on y arrive, hein. Le but est quand même qu'on y arrive. Donc voilà, déjà. Il est où? Ok. On va éviter de... Voilà. Le but est quand même de le défoncer. Vite, voilà. Voilà. Merci. Attention. Ah oui, du coup, les moblins peuvent également me faire très mal. Hein. Donc le problème, c'est qu'il faut vraiment tout éliminer. Mais le but est vraiment de tout éliminer. Attention. Le Pyrodactylus. Alors il faut pas évidemment trop se rapprocher des autres escaliers. Il faut rester un petit peu dans le coin. On a des Darunia noirs, ok. Il y a des Darunia noirs. J'avais vraiment zappé qu'il y avait des Darunia noirs. Hop. Merci. Attention. Oulala. Oula. Attention. Ah oui. Alors là, il faut vraiment le faire par étapes normalement. Donc à partir de ce moment. Voilà. Parfait. Attention. Là, en fait, le problème, c'est que il y a beaucoup trop d'ennemis. Voilà, on va tenter. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, bah, on a le Pyrodactylus en même temps et certains Darunia noirs. Ok. Toc, toc. Merci. Attention. Goma qui va repop. Alors, attention, Darunia noir. Hein. Donc, vraiment, le but est de le faire par étapes. Toc. Voilà. Vite, Goma, s'il te plaît. Voilà. Non. Voilà, ça c'est fait. On va éviter hein, de se faire défoncer par
les mobines, parce que le problème c'est que... Non, oulala, on a pris cher, on a énormément pris cher, 54% déjà. C'est pas le... Voilà, en fait le problème c'est que il y a trop de boss géants analysés d'un coup. C'est vraiment un truc assez difficile, surtout qu'on a vraiment pas beaucoup de réceptacles de cœur, vu qu'on est pas non plus un niveau assez... Enfin, ultra élevé. J'ai vu des personnes le réussir au niveau 110, ça me fait énormément peur. Dites-vous que ça me fait énormément peur. Le niveau 110... Ok. On va tenter. Hop. Voilà. C'est bon. Tac. On va tenter. Voilà, c'est vraiment pour prendre un maximum d'ennemis. Oula, attention. Oh ben voilà, en fait je m'y attendais pas. Il m'est apparu devant moi. Oh là là, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Ah d'accord. En plus il me fait subir des dégâts comme ça. On va vraiment pas s'en sortir, hein, je vous le dis. On est vraiment trop bas niveau, on a tellement peu de cœur que. On va pas y arriver en fait. Tac, attention. On a tellement peu de cœur que. Ça va être très difficile entre les maîtres Stalfos et tout ça. Et Mandala qui arrive, hein, bien sûr. Il fallait que ça me rajoute une couche. La cocotte a éliminé Darunia Noir. Donc il y a une Darunia Noir qui est éliminée déjà pour commencer. Mais le problème, c'est voilà, c'est ultra difficile quoi. Non. Ah, mais ma fifi, papa, il peut pas. Mon bébé. Non, pas Mandala. Pas Mandala, on va éviter. Hein. Tac. Bon. Mais j'ai l'impression qu'ils ont moins de vie. Alors peut-être parce qu'on a gagné 2 ou 3 niveaux de plus. Donc du coup, bah, peut-être ça se ressent. Alors par contre, on va éviter hein, de se faire défoncer. Voilà, là il y a 4 boss géants. D'accord, oula, oh bah là on est mort. Hein, je vous le dis, 111%. On a 4 boss géants sur nous. On a éliminé un moblin, mais ça suffira pas. Tant qu'on sera pas bien stuff, enfin tant qu'on sera pas haut niveau, on a trop de monstres géants sur nous. En fait, vraiment, j'ai été, je crois, à un endroit... Attention, c'est bon. Attention. Alors le but est évidemment de ne pas se faire non plus prendre un sandwich entre les collisions du niveau et... voilà, attention. Hop. Boum. Voilà, attention. Attention, attention. Ok. On va tenter de calmer la donne. Voilà, on est bientôt niveau 41, mine de rien. Dites-vous que ça permet de gagner un petit peu des niveaux. On va y arriver, dites-vous qu'on va y arriver. Hein. C'est un truc, bon, on peut se permettre d'être jusqu'à 200 au moins. Donc, hop. Attention. Mes problèmes, c'est qu'il y a tellement de boss géants que du coup, ben, c'est pas évident. Attention. Voilà, on peut se faire défoncer, donc... Voilà, vite, 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 on va tenter, on va... Oh non, ma fille, bon, je vais vite la faire sortir. Ouais, tranquille, parce qu'elle va me déconcentrer. Allez, voilà, donc voilà, ouais, je l'ai fait sortir parce que sinon, elle va vraiment me déconcentrer tout le long, et là, je dois vraiment pas être déconcentré. Alors, du coup, attention. Oh là là. Donc là, il y a énormément de boss géants, malheureusement. Sur nous. Voilà, un chef de la horde. A invoqué des puissants monstres. Ok. Allez, hop. Là, vraiment, j'ai changé de stratégie. Hop. Non. Ça s'est fait. Attention. Derrière. Voilà, boum. Attention. Ok, ça serait bien d'éliminer le Pyrodactylus, même s'il reste un poil inoffensif, il peut être très dangereux. Oula, attention. Attention, 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 attention. Putain, c'est vraiment abusé comme c'est ultra chaud. Ah ouais, mais le problème, c'est ultra chaud, quoi. C'est ça qui me gonfle, c'est vraiment ultra chaud, quoi. Aïe, 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 je vous jure, je vais pas y arriver. Oh là là, regardez le nombre d'ennemis quoi. Non mais honnêtement, je suis censé y arriver là. J'ai 4 boss géants sur moi. Alors certes, il y en a qui ont bien baissé en vie. Mais le problème c'est que c'est impossible quoi.
c'est impossible quoi. Il y a énormément de boss géants. Et Goma, mine de rien, elle peut poser problème. Donc ça serait bien de l'éliminer. On est à 151%. Putain, si on y arrive. Ah non, non, non. On est à. On va pas y arriver à mon avis. Ça, c'est une évidence. Hop, attention. Voilà, on va tenter de calmer tout le monde. Merci. Ok. Attention. Allez, 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 on... là-bas. Là-bas, là-bas, on se fait pas encercler. Merci. Et on a éliminé Goma. Et en plus, on est niveau supérieur. C'est bien. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut éliminer le maximum d'ennemis ici. Pour un petit peu atténuer la douleur, quoi. Parce que là, 152%, c'est... C'est difficile. On a bientôt éliminé le chef de la horde d'ailleurs. Ouh là là, non, pas ça. Ok. Voilà. Un chef de la horde éliminé, donc le Pyrodactylus. Donc on va devoir vite éliminer Mandala. Ok. Ok. En fait, le problème c'est. Oula, non, non. En fait, j'allais dire qu'il faudrait peut-être l'envoyer. Balader, vous voyez, en gros, la laisser traîner comme on avait fait dans le mode Ganon. Mais mine de rien, c'est assez compliqué. Oh là là, attention. Ok. Voilà. En fait, ouais, il faut, c'est ça qu'il faut faire. Il faut l'enchaîner, en fait. Voilà. En fait, on en a éliminé un. Une, en fait. On va le faire pareil. On est à combien? 7 minutes. Ça va, tranquille. C'est ça qu'il faut faire, en fait. On est à 166%. Il nous manque quand même pas mal de boss géants, donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu flipper cette histoire. Mais bon, on verra hein, si on y arrive. Il faut y aller petit à petit. Il faut y aller petit à petit. En fait, oh là là, en fait le problème, c'est ces moblines aussi. Les moblines sont horribles parce que c'est eux qui... En fait, paradoxalement, c'est eux qui te font le plus chier. C'est ça qui est dingue. Attention. Voilà. Voilà, on a vécu un mobline. Deux moblines même. Troisième mobline. Il est à 179%. Bah, à mon avis, on l'aura pas le rang A. Mais bon. Au moins, on l'aura testé. Et nous avons vaincu Mandala. Maintenant, il ne manque plus que certains boss géants. Alors, les trois d'en haut à droite me font énormément peur. Parce que je crois qu'il y a le combo Pyrodactylus, Mandala et Goma. Donc, c'est pour ça que ça me fait... un petit peu flippé, mais bon, écoutez, on verra. Allez, là, il va y avoir les deux. Alors là, normalement, c'est voilà, c'est Goma cette fois-ci. Et le roi de Nango. Attention. Oh là, attention. Merci. Hop. En fait, le problème, c'est qu'on est tellement peu, on est tellement bas niveau. Les amis, que en fait on les fait, on les assomme pas directement. En fait, le souci c'est qu'on est tellement bas niveau que on peut, en fait on les enchaîne pas. Et du coup, bah, c'est ça qui nous, en gros, nous vraiment nous casse beaucoup plus les pieds parce que ah là là, en plus je savais pas qu'elle pouvait me blesser. Mais oui, c'est ça qui me fait le plus chier, paradoxalement, parce que voilà quoi, c'est pas évident. Oh là là. 202. Je sais que je n'aurai pas. Hein. Et ouais, là, elle me fait des à-coups de 207. Attention. Oh bah. Ok. Attention. Non. Invoque de puissants monstres. Et voilà, la grande fée est éliminée. Bon, je sais que je l'aurai pas, hein, au cas où le rang A, parce que je me suis aussi un petit peu mal pris sur certains trucs. Mais en fait, on l'aura déjà testé, un petit peu retesté, pour se remettre un petit peu dans le bain, voir un petit peu ce que l'avenir, enfin, ce que le scénario nous prépare, en tout cas, ce que le défi nous prépare. Et on peut voir que ça nous prépare, voilà, du bon, attention. Hop. Non, attention, lolo, lolo, lolo. En fait, le problème, c'est que...
on fait vraiment pas mal du tout, quoi. Il faut au moins être niveau 50 pour y arriver, quoi. J'ai l'impression qu'il manque au moins, il me manque au moins 2-3 réceptacles de cœur pour, vous voyez, m'assurer des, comment ça s'appelle, des dégâts subis, quoi. Et m'assurer un petit peu de tranquillité, quoi. Ok. Attention. On va faire attention quand même. Attention. Bon, en fait, on peut pas l'enchaîner. C'est ça qui me gonfle. Attention. Voilà, boum. Aïe, 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 aïe. On en aura vraiment bien bavé pour celui-là. Parce que c'est, il est... en fait, il est pas dur. Étrangement. C'est, il est pas dur, en fait. Il faut juste comprendre le système. Mais le truc, il y a 50 trucs à analyser. En fait, c'est pas dur. C'est plus... vous voyez, affligeant. Et surtout qu'on est très peu niveau. On est un petit peu bas niveau. Ce que le jeu nous demande, c'est pas du tout de notre niveau, quoi. Attention. Donc, c'est pour ça, en fait. Voilà. On a senti un combat. Ok. Et avance. Oh non, et avance. Oh putain, t'as tous les boss géants qui vont venir sur moi. C'est pas gentil, ça. On va vite devoir, on va vite tenter d'éliminer le roi Dodongo parce qu'il y a tout le monde. Hein. Là, il va y avoir 4 boss géants sur moi. Je vais moins faire le, vraiment moins faire le fier. Ok. Attention. Le Boblin, il va faire mal. Attention. Voilà. Ok, il y a Pyrodactylus derrière. Je l'ai attendu. Ok. Alors c'est vrai qu'il y a le chef de la horde, c'est Mandala, hein. Il faut faire attention. Paradoxalement, c'est lui qui me fait le plus peur. Mandala et possiblement Goma qui arrive, on dirait. Honnêtement, paradoxalement, c'est lui qui me fait le plus peur. Voilà. Parce que le problème, c'est que... Bon, on va tenter de calmer la dose. Hein. Merde, alors là, je l'ai gaspillé dans le vent. Boum, voilà. Voilà, ça c'est fait. Attention. Voilà, là, là, là. C'est horrible. 213, je sais que je n'aurai pas le rang. Mais bon, on l'aura vu. Par contre, c'est qui me lance des plantes T'es sérieux? C'est qui me lance des plantes, là? Mais c'est qui me lance des plantes? Ah, c'est le chef de la horde. Ah bah oui, quand on le réveille, il nous balance des trucs. C'est d'ailleurs le truc le plus compliqué. Ah, ben c'est pour ça qu'en fait je galérais aussi. Parce que c'est vrai que c'est lui. Il faut le traîner. Faut le traîner. Pas le choix. Allez, faut le traîner. Il faut y aller, il faut avoir les couilles. Il faut réfléchir, faut avoir les couilles. Attention. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Repli, repli stratégique. Repli stratégique, repli stratégique. Voilà, repli stratégique pour avoir des cristals de force. Voilà. Je sais que je l'aurai pas le rang, mais au moins, vous voyez, on le fait une première fois pour se dire on peut le faire. Allez, Mandala, vite, vite. C'est bien Mandala le problème. On va vite tenter de l'éliminer. Ok. Ok. On va vite calmer la donne maintenant. Repli stratégique parce qu'il nous faut des cristals de force. Donc, repli vite stratégique. Si c'est là, c'est pas pour rien. En fait, le problème, c'est que d'abord, il faut faire Mandala. C'est ça, le souci. D'abord, il faut faire les 3 premiers en haut. On sera moins dans la merde. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi faire les Gomas. Ok. Voilà, boum. Attention. On a 241. On est vraiment... On a vraiment pas assez de cœur. C'est ça qui m'hallucine. On a vraiment pas assez de cœur, en fait. Oh là là, repli stratégique. Attendez, non, pas repli stratégique. Au contraire, parce que là, ils vont baisser un petit peu en truc. Maintenant, on va calmer la donne. Vous voyez? Ça, c'est fait. Hop. Ça, c'est fait. Allez, Pyrodactylus, s'il te plaît. Ça va.
Bon, maintenant on a éliminé l'autre gars là. Attention, par contre, les moblines. Je sais que j'aurai pas le rang A, mais il vaut mieux quand même le, on va dire, le teinter, même si je sais que je l'aurai pas, parce que je crois que c'est au moins. Alors, si c'est 200, alors c'est peut-être 255. 250, à mon avis, le truc. Donc. Mais bon, vaut mieux le tenter parce que sinon on va pas y arriver. Hein. Mais en tout cas, on peut le réussir. Hein. Dites-vous que c'est la première fois qu'on le réussit dans le mode cocotte. Hein. Donc, dites-vous que c'est mine de rien. Un très beau avancement. Attention, attention. Oui, aïe, aïe. Voilà. On a vécu un pyrodactylus. Maintenant, on va les laisser un petit peu respirer. Ah là là, mais on est à 248, mais je sais que je l'aurai pas. Donc, de toute façon, je pars du principe que le rang A, je l'ai pas. Je partirai du principe que je ne l'ai pas pour vraiment comprendre un petit peu comment il faut faire. Je veux juste vraiment obtenir des trucs, voilà, ça. Pour pouvoir un petit peu les calmer, sachant qu'en plus il y a la deuxième vague, et normalement la deuxième vague c'est les bannis, donc il faut vraiment faire un petit peu attention. Voilà, le roi Dodongo, c'est le lit, c'est ici. C'est fini. Attention. Ah, les bannis. Une nouvelle horde de monstres apparaît. Éliminer le chef de la horde, ouais. Vous me permettrez, je veux juste éliminer eux, surtout lui. Parce que mine de rien, il peut me poser souci. Attention, les moblines. Non. 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 Ok, on va calmer vite la donne, putain, il m'a eu. C'est 252. Je pars du principe que je n'ai pas, je crois que c'est 250. Ok, il ne manquera plus que les bannis. À voir. D'ailleurs, qui d'ailleurs avance. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, on a même qu'une mobline, comme ça on est tranquille. Hein. Ok, les bannis. Come back. Non, oh là. Alors, il faut s'en souvenir. Je sais plus si on avait dû déjà les affronter une fois, donc. Est-ce qu'on peut les traîner? Je crois pas, non? Non. Ah, une invoque mandala? Oh non, oh non. Oh non, mais tu m'invoques pas des chefs de l'ordre, toi. T'es indiqué, toi. Non, mais vraiment. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oh non, t'invoques pas mandala, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il se déplace comme ça, quoi. Il se déplace comme un con. On va vite calmer la donne. Ok. Je veux juste voir au moins le dégât qu'on fait avec ça. Ah, on les fait pas non plus très mal. Hein. Mon Dieu, ça va être une enfer, je vous le dis. L'enfer sur Terre. Parce que le problème, c'est que c'est ultra hard, quoi. On a tellement pas assez de cœur. Ce sera pas 300, ça sera 250, à mon avis, le rang B. Hein. Mais, le rang B. Oula, ouh, mais... Oh, du calme, toi, mandala. Oh, putain, mais attends, mais ça continue. Invoque plus d'autres monstres géants. Oh, ouais, mais on va pas s'en sortir s'il invoque tout le monde. Mandala encore. On va pas s'en sortir s'il invoque 40 000... monstre géant. Oh là là, putain. En plus, tu peux rien faire, quoi, pendant les phases où tu t'attaques comme ça, comme un vicieux. Oh là là, on va pas y arriver, hein, je vous le dis. Tac. On va pas y arriver, hein, je vous le dis. Ça, c'est une certitude. Il est où? Non, il est là. Ok, vite, calme-toi. En fait, j'aimerais bien le... Oh putain, en fait, c'est la RNG qui est pas bonne, quoi. Voilà. On va vite calmer la donne. Attention. Non. Merci.
Putain, on va pas y arriver. Hein. En plus, c'est des, vraiment des vrais boss géants, quoi. Que te faire affronter ce connard. C'est pas des boss géants où ils ont peu de vie parce que c'est des orbes. C'est des sbires, en fait. Là. Ok. Attention. En fait, faut le laisser, entre guillemets, se traîner lui-même. Parce que là, on est à 276. Là, normalement, il va pas tarder à en avoir une autre, j'imagine. J'en anticipe, hein. Évidemment. Là, on va l'anticiper. Attention. Voilà. Ok. Ouh. Attention. Ok. Ouh là là, ouh là. C'est bon. Maintenant le calmer, si je peux. Non, je peux pas le calmer. Malheureusement. Attention. 280, c'est pas évident. À part s'ils sont vraiment laxistes, mais c'est pas évident. Mais à mon avis, je crois qu'ils le sont pas. À mon avis, ils le seront pas. Laxistes. À part si c'est 300 parce qu'ils sont laxistes. Ok. Voilà. Alors là, à part s'ils sont laxistes, par un miracle. Hein. Mais bon, le miracle, j'y crois pas. C'est pour ça que. Victoire, c'est pour ça que je préfère pas vous dire. Hein. Alors, on va voir. Hein. Rampé, je m'en doutais. À mon avis, c'est 250. Hein. On sait déjà ce qui nous attend. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon. Expérience plus. Épée divine, 88 de dégâts, expérience plus. Et Daichenata du quartier, 88 de dégâts du mille ennemi requis. Grimoire de l'esprit, 104 de dégâts, slot vide. Baguette de feu, 96 de dégâts, slot vide. Anomody, 88 de dégâts, slot vide. Épée divine, 96 de dégâts, les mondes de lumière. Spectre du temps, 96 de dégâts, slot vide. Pour une poignée de Darunia, une pousse de mandala, une minerée du roi de Dongo, une crâne de maître Stalfos, deux lances acérées de Boblin, une grande écaille de Bani, deux intestins de Pyrodactylus, deux spores toxiques de mandala, deux sacs de goma, deux griffes du roi de Dongo, 5 carpes de maître Stalfos et 12 viandes de Boblin. Bon, on va le retenter une dernière fois, les amis. Donc, évidemment, du coup, sinon, ça sera considéré comme bad et on le retentera, du coup, l'épisode prochain. De toute façon, on n'aura pas le choix, hein, on va le tenter jusqu'à ce qu'on obtienne le rang A. Et puis, voilà, au moins, pour vous dire. Donc, on le tente une dernière fois, là, parce qu'on a pu, en plus, gagner un niveau, je crois. Donc, j'espère, honnêtement, qu'on le réussisse, un ou deux niveaux. Donc, on aura peut-être gagné un réceptacle de cœur en plus. Donc, peut-être, ça nous allégera le truc. Mais bon, on va tenter et puis voilà, on est bientôt niveau 42, donc c'est pour ça que mine de rien. Tac, 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 tac. Attention. J'ai de la horde. Merci. C'est bon. Merci. Voilà. Merci. Alors évidemment, du coup, il y a les Darunia noirs. Hein. Ça, j'avais un petit peu oublié. Par contre, ça, j'avais un petit peu zappé les Darunia noirs. Donc, on sait qu'après, ils se réunissent. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Hein. Non. Ouh là là, il m'a pris. Ouh, par contre, 25%, on va éviter quand même. Merci. Ouh là là, les Darunia noirs. Le problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux ici. Tu peux rien foutre, quoi. C'est abusé. Merci. Vite. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas le choix. De foncer un petit peu dans le tas sans trop réfléchir. Même si on doit quand même apposer un peu plus de réflexion, quoi. Merde. Déjà, ça sera un bonheur si on arrive à moins 200%. Avant les bannis. Déjà ça sera au cas où une grosse évolution. Et il nous faut aussi beaucoup de réceptacles de cœur pour limiter la casse, quoi. Parce que c'est grâce à ça qui permet de limiter la casse, en fait, hein.
Dites-vous que le c'est pas parce que ça va nous enfin qu'on va gagner plus de niveau, plus de réceptacles de cœur que ça va nous endurcir, enfin nous endurcir, enfin pas nous endurcir, c'est ce que je dis, même le contraire, nous fait le bien, alors que non, c'est totalement l'inverse. Ouh là là, putain. On est à 30%, attention. Ouh là là, ouh là là. Ouais, d'accord, on a on est à 54%. Voilà, je ne pas cher de mon cul, hein, je vous le dis. En fait, tant qu'il y aura des darougnas noirs, une partie des monstres géants, ok. Ouais, ouais, donc on a perdu. On va quand même le recommencer parce que je sais qu'on l'aura perdu d'office, donc. On se laisse à 3 try, enfin, try regain comme ça au cas où. Donc ça fait notre première. Et on se laisse 2 essais pour arriver jusqu'à la victoire, quoi. En fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment éliminer Darunia Noir, quoi. Le plus rapidement possible. C'est le meilleur. Le, enfin, vraiment le meilleur bail, quoi. Parce qu'ils sont là. Et du coup, ça pose problème, quoi. Ok, attention! Bah oui! En fait, tu peux pas les contrer correctement, en fait. À part lui donner des petits coups faibles, c'est que ça, en fait, qui permet de les calmer, en fait. Oh là là, par contre. En fait, il faut vraiment les éliminer, quoi. Voilà, un maître Stalfos est éliminé. Là, vraiment, il faut les calmer. Il faut vraiment vite les calmer. Le plus vite possible. Attention. Darunia Noir, again. Voilà, niveau 42. Alors, j'espère avoir gagné soit un réceptacle de cœur en plus, soit. Une comment ça s'appelle, au moins ça serait honnêtement très honorable, un peu plus de puissance, sachant que oui, on au cas où on gagne quand même un poil de puissance, hein. Plus on augmente de niveau, plus on gagne de puissance. C'est pour ça que les gens y arrivent facilement quand ils sont sans, vraiment au niveau 100, et la vidéo que j'ai vue, ils arrivent, enfin je l'ai, j'ai pas vu entier, donc dites-vous qu'en fait je connais pas la stratégie, enfin sa stratégie, la personne elle ne fait pas ce que je fais actuellement là, en fait. Donc, au cas où, voilà, pour vous dire. Mais elle, elle est niveau 50 quand elle y arrive. Donc, pour vous dire, 50, ça allège vraiment la conscience, quoi. Ça allège vraiment une partie de, du truc. Attention. Oh là là, attention. Ok. Attention. Attention. Darunia. En fait, le problème, c'est Darunia. Là, le problème, c'est... Ouh, mais ils sont nombreux ici, d'un coup. On va vite les calmer. Voilà. Non. On va vite les calmer encore une fois. Merci. En fait, ils apparaissent en tellement en nombre que ça en devient fatigant, quoi. Parce qu'on est à quoi, 27%. Ouais, ça va pas être évident, je vous le dis. Ça va clairement pas être évident. Et en fait, le problème, c'est que celui qui me fait le plus peur, c'est le Darunia Noir. Voilà, stop. Ah, Mandala est là. Ah, bah, ok. Ouh, yo, yo, ouh, 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 ouh. Oh, mais tu m'as fait mal, toi. Eh, oh. Oh, vite. Oh. Toi, t'es morte. Toi, t'es morte, je suis désolé. Voilà. Elle me fait mal, quoi. Merci. Attention. Oh putain. Oh non, 82. Oh non, je suis désolé. Je suis dégoûté. Je suis désolé. Non, là, là j'accepte pas ce qui vient de se passer. Ok, d'accord. En fait, je subis même des dégâts quand je fais. Ok, d'accord. Quand même, quand je suis en phase de base, soi-disant d'invincibilité. Mais bon. Oh là là. Je vous jure. On a maintenant 3 boss géants sur le dos. Non, mais putain, mais je suis loin. C'est une blague, je comprends pas, je suis loin. 107%. Oh non, mais dites-vous que... On va se refaire un try again, hein. Et non, oh. J'en ai marre qu'elle... Et en plus, la RNG, elle est pas avec moi. Elle fait évidemment, comme par hasard, le truc que je veux pas, quoi. Putain, elle me casse les couilles, cette mandala.
En fait, les mandalas, c'est les pires boss, en fait. Putain, j'appuie. Merci. 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 Ok. On va tenter vite de calmer ça. Attention. Là, mandala. Ok, d'accord. Ils sont tellement nombreux ici que tu peux rien faire. 107%. Ok. Donc là. Tant que j'en aurai autant sur ma gueule, je vais pas pouvoir être tranquille. Là, j'en ai 3 sur ma gueule. Tu peux rien faire, quoi. Avec les 3 sur ma gueule, je peux rien faire. Honnêtement. Allez, viens. Viens, s'il te plaît. On va tenter de calmer la donne. Merci. Voilà. Mandala, s'il te plaît. Mandala est éliminé. Ok. Non, non, mais putain, mais j'appuie sur le coup fort. Hein. Ah, ça m'hallucine quand le jeu fait même pas ce que je dis. 116. J'en ai marre. Ok, ça c'est fait. Donc là, grande fée va pas tarder à apparaître. À mon avis, on va vite tenter d'éliminer les moblines. Merci. Voilà. Merci. Allez, go. Bon, ben on va tenter les 200% avant banni. Hein. L'objectif est 200% avant le banni. Dites-vous. Ouais, d'accord, on va pas y arriver. En fait, le problème, c'est Goma. Non, 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 mais non, mais j'appuie. Mais putain. Tu peux pas les enchaîner. Avec les moblines et tout, tu peux pas les enchaîner. C'est mission impossible. Non. Tu peux pas les enchaîner, en fait. Aïe, aïe, aïe. Une grande fée a rejoint la champ de bataille. Allez, go. On va vite affronter la grande fée. Hein. 132. C'est 132%. Ça veut rien dire. Attention, on sait que elle peut faire mal. Merci. Attention. Oh, dommage. S'il te plaît. Merci. Non. Non, non, non. Putain. Oh, mais elle fait jamais son attaque à la con, là. Oh, putain. 148%, quoi. Non. 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 C'est quoi cet RNG de merde avec la grande fée? Non. Ouais, oui, mais je peux pas, moi, avec les puissants monstres, là, la con. Ouais, magnifique, Ormax. Wow. 148%. Il reste 2, 5, 6 boss géants, plus les 3 bannis. Eh, on va pas y arriver, je vous le dis clairement. Sachant qu'en plus l'autre, elle va me lancer ses putains de boules de feu à la con, là. Enfin, boules de feu, les boules d'électrique de mandala, là. Le problème, c'est que... En fait, le problème, c'est que je sais pas si je peux vraiment l'enchaîner, quoi. Non, on peut pas l'enchaîner. On peut pas enchaîner Goma. Donc elle, on est obligé de faire ça. Non, en fait, tu peux pas. Non, attention. Ok. Merci. Aïe, 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 c'est pas possible. Aïe, 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 c'est clairement pas possible. Tant que le jeu m'aidera pas, je suis... Le truc, c'est que le jeu de magie, je préfère me la garder... pour les boss oh là, pour le boss en haut à droite quoi, faut pour les le chef de. Ouais d'accord, eh ben on a perdu. Allez, recommencer la bataille.
la prochaine fois, au cas où on va pas la, peut-être pas la recommencer, celle-là. Je vous le dis clairement, pour l'épisode prochain, là, c'est la deuxième, je crois, Crow Again qu'on fait. Pour la prochaine fois, je vous le dis clair, cash. Hein. On va pas refaire celle-là. On fera la, l'épreuve de survie de niveau 2. Et puis, puis voilà. C'est une horreur. Dites-vous que c'est, je crois, de la, une des pires missions que le jeu vous ait à donner. Le problème, c'est que tu peux pas battre Goma. Tu peux pas battre Goma. Tu peux pas. Tu peux pas, en fait. Goma, c'est, tu peux pas la, la contre. Alors, peut-être parce qu'on n'est pas assez puissant. On n'est peut-être pas assez haut niveau comparé à ce que le jeu veut nous le demander. Mais en fait, voilà, quoi. Il faut être en moins niveau. Ouais. Il faut être en moins niveau. Ouais. 500 000, quoi. C'est... Attention. Merci. Il faut être moins niveau 500 000 quoi. Donc à partir de ce moment, en fait, j'ai vraiment pas assez de vie. J'ai vraiment pas assez de vie. C'est triste, mais je n'ai clairement pas assez de vie en fait. Donc à partir de ce moment, quand t'as pas assez de vie, ça sert limite à rien d'insister quoi. Mandala va pas tarder à ramener sa fraise. Hein, je l'attends de pied ferme, Mandala. Oula, bah oui. Tu peux pas. Mandala, Mandala Goma, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est... Téléportation. Invoque deux puissants monstres géants. On va tenter de la calmer, hein. Ok. Là, il faut vraiment la défoncer. La focus, attention. Maintenant, il y a les Darunia noirs qui se ramènent. On est à 13%. C'est vraiment pas évident, je vous le dis, les amis. C'est. Non. On va tenter de calmer tout le monde. Là aussi. Attention. Niveau supérieur, niveau 42, en espérant que je sois un peu plus puissant que d'habitude et un petit réceptacle de cœur, mais même si à la fin tu doutes que t'as des réceptacles de cœur dans ce putain de truc à la con, le truc, ils sont trop nombreux, tu peux pas, je me suis pris un sandwich, 45%, tu peux pas, tu peux, à partir de là, tu ne peux pas, je suis techniquement impossible. Il n'y a pas à dire, c'est techniquement impossible. Oh là là, putain. Il est à 58%. Ok. Je sais même pas si on a éliminé tous les Darunia noirs, quoi. Ouais. On est à 58%. Voilà. Le truc, c'est une horreur, quoi. Ils sont vraiment trop nombreux. C'est je trouve que ils ont abusé le. J'aurais dû garder le truc. Ils ont vraiment abusé le taux de drop en fait de, des monstres géants. Ils auraient dû soit réduire le nombre, soit réduire la barre de vie. Qui est impossible, honnêtement. C'est pour ça que là, ils auraient vraiment dû se calmer en fait. Une grande fer rejoint le champ de bataille, il fallait s'en douter. Ils auraient vraiment dû se calmer, quoi. Parce que là, honnêtement, concrètement, c'est impossible. Alors, à part vraiment... en fait, je vois des cristals de force, j'aurais peut-être faudrait user vraiment ces putains de cristals. Ouais, mais le problème, même si c'est la fée qui te défonce... Déjà, je savais même pas que la fée pouvait attaquer déjà, donc à partir de ce moment. Attention. Non.
Non, mais putain, mais tout, on peut pas l'anticiper, putain. Tu donnes deux. En fait, tu dois donner comme Orca. Un. Un, deux, un, deux. Voilà, ça c'est fait. Putain, un, deux. Ouais, ouais, bah bien sûr, il m'a pas derrière l'autre, abruti va. Putain, casse les couilles, hein. Dégagez un peu là. Bordel de merde. Ah ouais, mais il invoque du coup. Et puis ça me gonfle, d'accord. Le truc vient de tomber, ça me gonfle ça aussi. Le truc en fer là. Je sais pas pour qu'est-ce qu'il foutait du milieu. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression qu'on va jamais y arriver. Ah sur moi. Surtout en étant niveau 42. Je comprends pourquoi le niveau 50. Je comprends vraiment pourquoi. C'est possible. Niveau 50. Encore j'ai aimé quelques doutes. Non. Moblin, s'il te plaît, les moblins. Ok. C'est bon. Le roi de Dango est éliminé. Attention. Attention. Oh non. Pas ça. Hein. Ok. Aïe 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 aïe. En plus, c'est... Les moblins, ils me cassent les couilles, je peux pas, vraiment, je peux plus me les blairer, eux. Attention. Attention. Ça c'est fait. Le chef de la horde est éliminé. Le moral des hordes monstres ont baissé, ouais. Oh bah alors, ma fille, tu éternues? Ok, donc ils viennent. Ils viennent à moi maintenant. Donc on va être dans la plus grosse merde parce que nous avons en face de nous 6 boss. 5 boss géants. 5 boss géants. 6, pardon. 6. On va être dans la plus grosse sauce que l'humanité n'ait jamais créée. Donc c'est le moment où on va devoir calmer la donne, je vous le dis. Faire respecter l'ordre. Attention. Voilà, on va vite devoir calmer la horde, enfin le chef de la horde mandala. Voilà. Et t'as combien? 77%. Un petit cristal de force, je dirais pas non. Merci. Parce que là, on va être 6. Hein. Donc, voilà, on va calmer la donne. Attention. Attention. Oh, mandala! Comme, how are you today? I'm fine, thank you. No, I'm not fine. Non, 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 non. Non, 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 pas du tout fine. Parce que là, vous êtes un peu trop nombreux à mon goût. Voilà, le chef de la horde est KO. C'est Mandala. Maintenant, il faut tenter de... Maintenant, on va être 50 millions, hein, bien sûr. Parce qu'il fallait s'en douter qu'on va être 50 millions. On va être 50 millions. Là, on est vraiment 50 millions, je vous le dis. Oula, oula. Oh, il y a un mandala, je crois, qui vient de nous souffler dessus. On est à 123%. Oh là là. On va calmer la donne. En fait, les mandalas sont ultra... C'est ultra dangereux. Ultra dangereuse, je veux dire. C'est une fille. On va tenter de calmer tout le monde. Et on va essayer de faire ça, en fait. Voilà. Cette mandala, c'est fait. Cette mandala, c'est fait. Non. Non. Et là, pas le choix. Ah, on n'aura pas eu le pyrodactylus. On est à 123%. Ok, 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 ok. Attention, 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 attention. Maintenant. Ça. Je dis pas non. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, ben merci.
Tu t'es mis à part des autres, donc du coup, bah là, je vais pouvoir t'enchaîner tranquille, tout seul. Alors là, tu t'es mis toi-même, t'as la sauce, hein, mon gars. Je suis désolé, mais c'est un petit peu la réalité. Voilà, on a vaincu un Pyrodactylus. Ok, niveau 42 déjà, c'est bien déjà, au cas où. Maintenant, on va calmer la donne. Là, là, il faut le traîner. En fait, c'est parfait. La division que nous avons faite est parfaite. Faut faire attention aux mobines à côté. Parce que eux, honnêtement, ils cassent les couilles. Attention. Non. On va tenter de calmer un petit peu tout le monde. Beaucoup de monde d'un coup. Okay. Mandala. Aïe 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 aïe. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de moblines. Non. Le petit chef de la horde. Et là, il y a le petit roi Donongo qu'on va vite calmer, je vous le dis. Non. J'aimerais bien calmer Mandala, mais. Ça me fait chier d'user pour des rois Donongo le coup fatal. Sachant que j'aimerais bien me les garder pour les bannis. Ouh là là. Une mandala, c'est fait. J'aimerais vraiment bien me le garder pour les bannis. On est à 123%. Ok. Attention. On va devoir un petit peu calmer. On est tellement bas niveau. C'est abusé, vous pouvez pas savoir. On a tellement besoin de niveau. A mon avis, le boss géant de niveau 3, on le fera quand on aura réussi l'épreuve de survie de niveau au moins 2, quoi. Parce que vraiment, il faut gagner de l'XP. C'est que dans les épreuves de survie de niveau 2 ou 3 qu'on peut gagner max XP. Donc voilà, quoi. Si on a le rang A, par miracle, on fera pas le bataille de géant de niveau 3, pas avant qu'on ait réussi. Et même pas avant qu'on ait réussi, à mon avis, l'épreuve de survie de niveau 3. Honnêtement, je suis en train de le penser parce que ça va être une horreur, quoi. Honnêtement, ça va être une horreur, je vous le dis. Donc vraiment, vaut mieux faire ça comme ça parce que sinon, on va vraiment pas s'en sortir, quoi. Voilà. Non. Et on est bien au niveau 43. On est... Voilà. Oula, attention. Attention. On est à 130. Attention, putain, il me gonfle. Oh là, sérieusement quoi. 142. Après, on met tout pour les bannis. Je vous le dis clairement, jauge de coup magie. Après, on va aller de partout savoir si on est-ce qu'il y aurait pas de la magie ou quoi que ce soit. Voilà. Et il va y avoir les bannis qui vont apparaître. Voilà, maintenant, on met tout sur les bannis. Donc ça veut dire qu'on va faire le tour de la map et dégommer les bannis avec tout ce que nous avons là. Honnêtement, déjà, on va vite calmer la donne. On va faire ça. On va vite calmer la donne aussi. Voilà. Voilà, on va vite calmer la donne. Voilà, vraiment, il faut se la jouer... ultra stratégie. C'est pour ça que je veux tout garder au début parce qu'à la fin ça nous facilite le passage, quoi. En fait, ça nous facilite honnêtement le truc. Ok, le chef de la horde est déjà un quart de sa vie de partie. Maintenant, on va répéter l'opération. On a ça déjà et c'est parti. Attention. Là, on sait qu'il va bientôt invoquer une mandala. Hein. On connaît l'astuce. Merci. Voilà, invoque mandala. Mais là, honnêtement, mandala, on peut peut-être s'en foutre. Bien peut-être, parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose. On est à combien? Ouh là là, attention, par contre, faut pas qu'il me mange le cul. Ça, c'est fait. Voilà, on a calmé un petit peu les bannis. Maintenant, on va tenter de trouver de la jauge de magie. Là, il nous faut de la jauge de magie. Donc là, on en a en bas. Donc, mais
J'aimerais bien en trouver dans de l'herbe. Voilà, ça par exemple. Ça, c'est bon, ça. Voilà, encore, encore, encore. On va répéter l'opération. Voilà. Voilà. Sans qu'on va vite y aller, comme ça, ça il invite, enfin, on évite de trop invoquer des monstres géants. Parce que là, Mandala va me suivre, vu qu'elle est conne. Et vu qu'elle est conne, elle, on sait qu'elle sait qu'elle peut se faire défoncer. Voilà. Maintenant. On va calmer la donne. Ok. On va vite calmer. Voilà, vraiment. On se la joue ultra stratégique. 142%, c'est un miracle. Donc là, il invoque un deuxième vu qu'il a bien, il est bientôt plus de vie. Donc là, maintenant, jauge de magie. Jauge de magie. C'est important. En haut, il y a une jauge de magie. Et on va répéter l'opération. Et là, après, logiquement, on va pouvoir l'avoir. Voilà, on en a assez normalement de jauge de magie. S'il nous en reste encore, ça serait bien. Plus de jauge de magie. Oh putain, me dites pas ça, s'il vous plaît. Oh, par contre, il y a des pots. Faut vérifier avec les pots. Là, on n'y est jamais été, donc peut-être. Ok, déjà, il y a ça. Déjà, il y a ça, pourquoi pas, hein, mais je cherche de la magie, moi. Ce serait honnêtement le point idéal de l'opération. Bon, ben, je crois qu'il n'y a plus de magie. Ah, si, et... Oh, dommage. Bon, ben, écoutez, ça va être un petit peu dramatique. On n'a plus de magie. Vite, 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 vite. Attendez, j'ai peut-être rien dit. S'il peut m'en donner, ce serait parfait. Ah, là-bas, il y a une herbe. Non, il m'en donne pas. Ok, on va pas y arriver. Non, malheureusement, hein. Bon, ben... Ah, si, il y en a une à côté. Ah oui, il y en a une à côté. On va vite la récupérer. Allez, go. Et c'est parti. Et normalement, on l'a. Normalement, on l'a. On le termine. Et ben voilà, et normalement nous l'avons terminé. Et oui les amis, alors du coup là logiquement, je dis bien logiquement, on a Laurent A si le jeu est pas autant punitif. Normalement nous avons Laurent A. Sur les éliminés de Millennium, on peut quand même faire moins de 2000, enfin faire un petit peu au-dessus de 200 dégâts subis. Là on va le voir. Rang A, les amis. Nous l'avons fait, nous l'avons fait. We were the champion. Niveau 43, enfin niveau 43 et avec le rang A. Nous l'avons fait. Ben putain, ça m'a duré longtemps, très longtemps. Oh là 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 là. Alors, bande pétale de rose, 96 dégâts étoile plus. Ocarina d'effet, 88 dégâts attaque fort 3. Baguette de feu, 96 dégâts slot vie. Épée gravée, 88 dégâts de mille ennemis requis. Dragon Bojo, 88 dégâts attaque fort 3. Vodridon des voleurs, 412 dégâts slot vie. Ocarina d'effet, 88 dégâts rupi plus. Pour un pilier du pierre de manie, un cristalline de goma, un minerai du roi de Dongo, deux crânes de maître Salfos, deux lances acérées de Moblin, une poêle de roue de Darunia, une tête sessel pyrodactylus, trois spores toxiques de Mandala, une acide de goma, trois griffes du roi de Dongo, neuf carpes de maître Salfos et 11 viandes de Moblin. Alors les amis, mon dieu, oh là 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 là. Bon les amis, la prochaine fois, normalement du coup dans l'épisode numéro 342, oui, nous ferons, alors on ira juste pour voir, hein, juste savoir si on doit retry again ou on doit malheureusement partir, on partira et on fera du coup l'épreuve de survie directement. Oh, j'ai vraiment envie de voir un petit peu quand même la bataille de gens de niveau 3, voir un petit peu si on peut l'avoir, pas en main, mais en tout cas l'apprendre un petit peu de notre côté. Donc voilà, c'est ce qu'on ira un petit peu explorer, on va dire, cette bataille de gens. Honnêtement, hein, si on y arrive, tant mieux, donc on a le rang A, ça sera notre épisode prochain. En revanche, si on voit qu'on galère, donc si on met 15, à peu près 10-15 minutes et on a énormément galéré, on passe à l'épreuve de survie de niveau 2. Je vous le dis clairement et net, honnêtement, parce que voilà, le temps, enfin, le but est quand même d'avancer là. Donc c'est pour ça que c'est ce que nous ferons donc dans l'épisode numéro du coup 342 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Merci encore de m'avoir suivi. On a du coup
à nouveau 6 rangs A. C'est bon, on a le monopole, il nous manque plus que 4 rangs A. Donc faire la bataille de gens de niveau 3, après l'épreuve de survie de niveau 2, l'épreuve de survie de niveau 3 et l'épreuve de survie de niveau 4. Donc c'est pour ça que, mine de rien, ça serait vraiment pas mal de réussir la bataille de gens de niveau 3. Et après, voilà, dites-vous que si possible, et ça serait le meilleur des épisodes, honnêtement, ça serait bien qu'on réussisse dans cette session-là, au moins d'aller jusqu'à l'épreuve de survie de niveau 3. Ça serait le top, vraiment, parce qu'on aura passé déjà, ça fera du coup l'épisode, on aura passé 3 ici, donc 3 épisodes, 4 épisodes, et 5 épisodes avec des preuves de survie de niveau 3, à mon avis, qu'on échouera. Mais en tout cas, ça serait honnêtement, parce qu'on est très bas niveau, trop bas niveau, mais honnêtement, ça serait bien d'arriver au moins jusqu'à l'épreuve de survie de niveau 3 pour vraiment avoir, enfin vraiment avoir dit voilà, on a vraiment avancé de ouf, on a obtenu tous les rangs, enfin un maximum de rangs A, et du coup ben, la prochaine fois il nous manquera du coup à répéter jusqu'à qu'on y arrive les batailles suivantes. Donc du coup ben, merci de m'avoir suivi les amis pour cet épisode 341 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition, sachant que dans le mode Ganon, comme je vous ai dit, d'abord on va passer 5 épisodes là, ça nous fait notre deuxième épisode, vu qu'on a fait éliminer 9999 ennemis et la bataille de gens de niveau 2. Donc du coup, on tentera le bataille de gens de niveau 3 si on voit vraiment que c'est pas du tout fait de notre niveau actuellement. On fera l'épreuve de survie du niveau 2 la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.